Regardez comment s'est passé le réveillon avec la sœur Déborah Lukalu. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? La première fois, c'était par le diable disait à la femme, prends et mange. Sin entered the whole et le péché entrait dans le monde. And then Jesus came back. Et Jésus est rentré. He used the same il a word. Utilisé le même pas. Prends et mange. My life entered into our body. Et la vie est rentrée dans nos corps. Je prophétise à toi dans ta vie. Tout ce qui t'a fait pleurer en 2023, tu viens de prendre, tu viens
train de manger et tu es en vie, tu ne vas pas pleurer en 2024. Tu ne vas pas être malade en 2024 parce que tu viens de prendre et tu viens de manger. Mon Dieu! They went and sat down. They could not even greet him. They were simply looking at him. He said, the moment we leave this place, he is gone. Let me tell you, let people think whatever they want to think. Let people think that it's over for you. Let people say whatever they want to say. But I'm here to tell you that God responded to the Lord. Everything is possible for you, and nothing, no purpose of yours can be withheld from you. Nobody can stop the purpose of God. Voilà, voilà mes bayangas. En tout cas, avant de vous montrer l'image de la vidéo de la surprise du pasteur Faustin Kaseba, hein, le couple Kaseba, en tout cas de la sœur Deborah Lukalu, ils ont fait une très belle surprise à leur pasteur. Mais avant tout, là, vous êtes en train de voir, c'est vraiment l'église qui est vraiment en train de ranger, leur église en train de ranger, d'aspirer, de mettre tout en ordre pour les réveillons. Voilà, ils sont en train vraiment de travailler, ils sont au service du Seigneur, vous savez comme ça se passe, non? Alors la sœur Déborah, elle aime aussi nettoyer l'église, hormis être star, hormis ce qu'elle fait, chanter, monter sur les scènes et tout. Elle sert aussi Dieu à nettoyer l'église et tout avec son mari. C'est vraiment très motivant, hein? C'est vraiment quelque chose de bien. Et là, comme vous êtes en train de voir, c'est l'église à l'extérieur et tout. Vraiment, c'était des journées en journées, des programmes en programmes, sœur Deborah avec son équipe, la chorale. Vraiment, j'aime bien la complicité qu'elle a aussi avec sa chorale. Je trouve qu'elle est aimée dans sa chorale. Elle aussi, elle aime sa chorale. Elle est toujours là quand elle est elle est en Atlanta, elle est chez elle. Elle est toujours à l'église, elle sert toujours le Seigneur là-bas. Franchement, c'est quelque chose à féliciter. Alors là, c'est la vidéo maintenant qui va suivre, la vidéo surprise de l'anniversaire de leur pasteur, leur daddy, le pasteur Faustin Kaseba. Est-ce que vous êtes prêts? On y va alors. Ici ça déjà, ma image à bio, ma news à bio, yaya au Djawapi. Keshema Makimia, pardon. Voilà, voilà, voilà mes bayangas, comme vous venez de voir, comme vous êtes en train de voir, c'est les cris, c'est la joie et tout, tout est mélangé, les fleurs même, les pasteurs à pleurer, les pasteurs Faustin Kaseba, c'est les pasteurs de notre sœur Deborah Lukalu, le frère Cédric, pasteur Cédric Kaseba. Bon, après, je ne sais pas si le pasteur Faustin Kaseba, c'est son papa, c'est le papa du mari de la sœur Deborah. Vous qui connaissez un peu plus, essayez de nous écrire dans les commentaires, vu qu'il s'appelle Faustin Kaseba. C'était son anniversaire surprise. Donc là, vraiment, c'était la joie totale, la famille, l'église, les amis. Et voilà, le couple Kaseba, ils ont vraiment organisé cette belle, belle surprise ensemble avec l'église. Ça s'est bien passé. La sœur Deborah était contente. Oh là là, ils ont fait pleurer l'homme de Dieu. Oh my gosh, oh, c'est trop mignon. Il a pleuré, hein, pour vous dire que ça a marqué vraiment son cœur. Ça lui a fait du bien, hein, ce genre de moments, les amis.
Ça fait toujours plaisir, d'accord? Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, comme j'avais commencé la vidéo, j'ai dit, ben, je vais vous laisser d'abord les images hein, et je vais vous rattraper juste à la fin pour ne pas, d'accord? Et voilà, là, maintenant, je peux vous saluer, vous faire un petit coucou. Salut mes Bayanga sûr, salut la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tension là-bas, ça va? Est-ce que tout va bien? Voilà, moi, je me porte vraiment très, très bien par la grâce de Dieu. Je suis en forme, tout va bien. Toujours au boulot, boulot, le travail m'appelle à tout moment. Donc, c'est pour ça que je suis là devant vous. Je suis là avec vous. Vous êtes en train d'entendre my voice. Donc, voilà, les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés sur cette grande chaîne, sur cette belle chaîne, les amis, en tout cas, n'hésitez pas, vous qui venez de faire juste un petit tour, qui venez de découvrir cette chaîne en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, il y a de l'espace pour tout le monde, il y a vraiment la joie de vivre ici, il y a le partage, il y a le respect, en tout cas franchement, abonnez-vous pour découvrir l'ensemble de tout ça. Donc n'hésitez pas aussi à activer votre cloche de notification, comme ça à chaque fois quand je posterai une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Voilà. En tout cas, bonne soirée, mes Bayanga sûr, plein de bonnes choses. Je sais que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Vous savez que c'était les festivités, les réveillons à gauche, à droite. Je vais vous apporter des images. Waouh, je suis en train de travailler sur ça. Franchement, je vais vous montrer beaucoup de choses. Tenez-vous juste prêts parce qu'il y a beaucoup de choses, de vos stars que vous aimez. Ah non, 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 des surprises. Ah non, je préfère me taire, pardon. Il faut être là seulement pour regarder. Voilà, on se dit à tout à l'heure ou encore à demain. Bye bye, que Dieu vous garde. On est ensemble. Bisous, c'était votre Mama Kimia Sarah, la queen de la salle. De la salle.